De retour au bulletin, l'école de cirque de Verdun offre la possibilité d'acquérir une formation complète en technique de cirque dans un contexte récréatif, non compétitif. Et j'accueille Joanne Pelletier. Elle est coordonnatrice des programmes de formation. Bonjour. Bonjour. À qui s'adresse votre école? Ben, en fait, à tous ceux que le cirque intéresse, évidemment, on a la majorité de la clientèle qui sont des jeunes. On a un programme récréatif le samedi, ça va de l'âge de 3 ans jusqu'à, le samedi, on a jusqu'à 17-18 ans. On a aussi des cours pour les adultes la semaine. On a beaucoup d'écoles primaires, services de garde qui viennent en semaine, les 5 à 12 ans. Donc, c'est quand même assez large comme Vous clientèle. existez depuis combien de temps? En fait, depuis 1988. Mine de rien, Oui, oui, oui. ça nous fait presque 30 ans Oui, bientôt. exactement, bientôt. Quelle discipline enseignez-vous? En fait, on couvre pas mal toutes les disciplines de base. On a, bon, tout ce qui est manipulation, différents objets. On a différentes techniques aériennes, trapèze, tissu, cordelisse. On a trampoline, acrobatie, fil de fer, les boules d'équilibre, les rollabola. On a vraiment un gros éventail, là. Et les enfants dans les cours de base, touchent un peu à toutes ces Les enfants disciplines-là. de quel âge à quel âge à peu près? Tous les enfants niveau primaire, là, comme je vous dis, on commence à 3 ans, puis même à 3 ans avec les parents, Trois ans. oui, ils vont Qu'est-ce que faire vous du leur nerf. apprenez à 3 ans? Ben, ils apprivoisent, L'équilibre? oui, apprivoisent chacun de ces appareils-là, et même qu'avec leurs parents, que ce soit la mère ou le père, ils ont la possibilité de faire main à main, faire des choses vraiment, vraiment amusantes, là. C'est vraiment de la découverte, là. Madame Pelletier, quel genre d'activité scolaire offrez-vous? Ben, on a les, en fait, c'est les services de garde et les écoles primaires, les enseignants qui peuvent justement réserver. Puis c'est des sorties normalement d'une journée. On a quelques écoles parfois qui vont nous demander de faire plus qu'une journée, 3 jours. Puis au bout du 3 jours, bien, il y a possibilité de faire une petite présentation là. Donc c'est vraiment 4 heures, une initiation de base. Puis ben c'est sûr que l'été on a les camps de jour là pour les 5 à 12 ans là. Votre volet pour adultes maintenant? Le volet pour adultes, c'est vraiment la même chose. C'est qu'on va essayer d'offrir à un adulte la possibilité d'essayer des différentes techniques. Est-ce qu'il y a une limite d'âge? Disons, quelqu'un dans la soixantaine se présente chez vous avec Ben, une bonne forme physique, oui. avec beaucoup de bonne volonté. Est-ce que vous allez lui demander une preuve Pas de nécessairement. santé médicale? Pas nécessairement. On va discuter avec la personne, puis on va voir justement c'est quoi le parcours, qu'est-ce qu'elle a comme vécu, qu'est-ce qu'elle a comme attente, à quoi elle s'attend justement de faire. C'est sûr que quelqu'un qui arrive à 60 ans pour la manipulation, pas de problème, là, c'est facile. À 60 ans, trampoline, là, on va peut-être poser plus de questions, les genoux, le dos, des blessures, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est justement de voir selon l'intérêt de la personne, qu'est-ce qui est possible de faire. Quelles sont les qualités minimales pour être admis? Ben, il faut pas avoir peur, c'est ça, d'y mettre vraiment du sien, de dire, ben, OK, j'essaie, puis après ça, ben, d'être prêt à être patient pour progresser parce qu'on n'avance pas toujours aussi vite qu'on souhaiterait. Ce sont des disciplines, on ne peut pas l'oublier. Ça s'acquiert, ça se pratique. Pratique, 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 pratique. pratique. Ça a l'air facile parce que ça a été pratiqué. Exactement, exactement. Parmi les gens qui sont allés à votre école de cirque, qu'est-ce qu'il y en a qui se sont démarqués, qui sont sortis du lot, qui sont allés au Cirque du Soleil et l'Oise ou peu importe? Ah oui, tout à fait. En fait, on a un programme pré-professionnel qui permet à des. C'est sûr que nous, on va toucher un groupe d'âge plus large que l'École nationale de cirque, mais on fait de 8 à 23 ans. Donc, c'est sûr que là-dedans, il y en a dans l'entraînement de 16 heures par semaine qui, à un moment donné, développent un intérêt et sont assez déterminés justement pour dire, ben, OK, je vais aller plus loin, soit en essayant de rentrer dans une école professionnelle, mais plusieurs ont monté leur numéro et ont réussi par un autre chemin à être engagés autant par le Cirque Éloise que, effectivement, le Cirque du Soleil. On a quelqu'un, entre autres, là, qui avait fait notre programme pré-professionnel puis qui a réussi à. Donc, ça dépend beaucoup de la détermination de la personne. C'est sûr que les qualités physiques sont là, mais la détermination y est pour beaucoup aussi. Est-ce que vous faites passer des auditions? Pour le programme pré-professionnel, oui. Pas le programme récréatif, mais pré-professionnel, oui. Puis effectivement, au mois d'avril, en fait, on va avoir une rencontre d'information. Et en mai, fin mai, on va avoir nos auditions pour le programme l'année prochaine. Qui donne ces formations? Ben, en fait, c'est des gens qui se sont retrouvés dans le métier, qui ont performé pendant un certain temps et qui, à un moment donné, bon, décident qu'ils veulent donner de la formation, qui ont un autre emploi en même temps. Puis on en a aussi qui continuent de performer, qui sont en pause, puis
entre les pauses viennent travailler avec nous. Donc, c'est assez large. En même temps qu'il y en a que c'est vraiment des jeunes qui ont commencé quand ils étaient enfants, ont progressé, décident de continuer à faire de la formation en temps partiel et qui, par contre, se dirigent dans complètement autre chose pour gagner leur vie. Alors, c'est l'amour de l'art, c'est l'amour du cirque. Parmi ceux et celles qui écoutent présentement, on peut aller assister à un spectacle que ces élèves donnent, hein, Oui, annuellement. c'est ça. À la fin du mois de mai, en fait, le 30 mai, on va avoir notre spectacle récréatif avec les enfants. Et la semaine qui suit, on va avoir notre spectacle pour le programme préprofessionnel. Puis tout ça est bien indiqué sur le site Internet de l'école. www.e-cirque-verdun.com. Exact. Et il y a un numéro de téléphone également où on peut vous joindre. Hein? Oui, 514-768-5812. 5802, j'imagine que vous avez une page Facebook. Oui, Twitter, Parce qu'on parlait tout ce beaucoup qu'il faut des. pour être présent partout. D'accord. Madame Joanne Pelletier, merci beaucoup Mais et merci à vous. longue vie à votre école de cirque. Merci beaucoup. Au revoir.